Nous sommes ravis de savoir que vous êtes à ce rendez-vous. Merci en tout cas d'être là. On vous retrouve avec beaucoup de bonheur. Je vous le rappelle, jeudi et vendredi sont les jours. Et puis 11h30, midi 30 ou 45, ce sont les temps d'antenne que nous avons, histoire en tout cas de vous rassurer d'être là à ce moment précis. Et nous ferons le maximum pour que ce soit une habitude. Cela dit, jeudi, nous avons M. Aboukaita qui est avec nous. Nous parlons de familles recomposées depuis un certain moment. Et pourquoi les familles recomposées rencontrent des problèmes? Quel est le style de problème que ces familles rencontrent? Nos invités d'ECM, ils sont nombreux, ils sont en studio, ils sont nombreux et veulent s'adresser à vous. Alors, c'est bientôt la fête de Tabaski et à quelques jours donc de cette fête, nous avons choisi de faire venir sur le plateau quelque chose de spécifique, c'est-à-dire de la coiffure. Mesdames, vous serez bien évidemment dans de grands boubous, de très beaux boubous, très riches en bazin, c'est une chose. Alors, mesdames, vous avez pour habitude de porter des coiffes ou bien d'avoir les cheveux courts ou d'avoir les cheveux longs. Alors, comment, avec une tenue en bazin, comment est-ce que l'on se coiffe lorsque l'on veut porter une coupe courte, sans forcément mettre le foulard? C'est un choix. Alors, une coiffure de fête pour les cheveux courts. Ensuite, cheveux longs, c'est un autre choix. Comment est-ce que l'on peut se coiffer pour la fête pour les cheveux longs? Et puis, pour les inconditionnels, donc de la coiffe, quelle coiffe spécifique pour cela? Nous avons fait appel à un jeune, il est jeune, en âge, en expérience très expérimentée, vous allez le voir, très talentueux. Et il s'appelle Serge et vous allez le découvrir, ce sera pour tout à l'heure. Le décor est implanté, Brico est la première variété que nous avons choisie pour vous. Mais en tout cas, merci d'être là. Joli, joli, très bien habillé, cigarette dans la bouche, sac à main sur le côté. Lundi dehors, mardi dehors, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on ne parle pas. Chez les belles villes, elles mettent les fossiles, faux ongles, faux têtes, faux seins, faux fesses. Eh ma chérie, à quoi le tissage, même tu n'as même plus de cheveux sur la tête. Chimie, belle, justement, bouge les sangs. Ce sera au-delà de la culture, ça va même dans la religion, dans la spiritualité. Alors, nous avons choisi M. Serge Aïssi comme coiffeur. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes jeune, oui. Vous avez une coupe de cheveux, on va dire, atypique. C'est assez particulier. Oui. Et ce que nous avons appris, c'est que vous êtes quelqu'un de très talentueux. Oui. Alors, raison pour laquelle nous vous avons fait appel à quelques jours de la Tabaski, pour laisser le temps à ces dames qui nous regardent de pouvoir se coiffer. Donc, vous allez nous expliquer un peu ce que vous allez faire et on vous écoute. C'est pour la Tabaski, en fait. Les gens ont tendance à dire que pour la Tabaski, toujours les chions, chions, coiffe, coiffe.
Donc les coupes ne sont pas habillées. Toi, sur le bassin, c'est plus joli. J'ai fait une coupe tout à l'heure, vous allez voir. Vous allez en dire quelque chose. Mais... D'accord. Ben, allez-y alors. À nous aller. À nous aller, comme vous dites. À nous aller. D'accord. Alors, lorsqu'on a les cheveux courts, on peut également être coiffé très facilement. Hein. C'est une coupe classique. On a préparé, mais je confonds son nom là. Le mot surtout. Et c'est rapide. Hein. Oui. Bureau, voilà, tout ça prend. Ça prend. Mais quel genre de visage il faut avoir pour cela? Peu importe. Ah, parce que ce que j'ai remarqué, c'est que vous, quand, dès qu'on parle de mannequin, vous allez choisir les plus belles femmes. Du coup, du coup, ce qu'on réalise, c'est que dès l'instant où la femme est belle, parce que je regarde les autres mannequins qui attendent, elles sont belles aussi. Ah, ben justement. Or, bon. Ah. C'est à nous de les rendre plus belles. Ah, d'accord. Donc, je fais une coiffe là. D'accord. Alors, et la couleur par exemple? Parce que là, on voit qu'elle est claire. Et vous avez choisi des mèches foncées. Non, pour que ça soit plus visible, pour qu'elle puisse éclairer plus. Ah bon? Voilà, le noir a plus sorti son teint. Plus son teint. Parce qu'on avait tendance à penser qu'une femme claire devait porter des cheveux clairs, avec beaucoup de couleurs là-dedans. Non, ça dépend. Et que les femmes foncées. Suivez mon regard, les femmes foncées, du noir, non, c'est pas, bon, c'est, y a pas de ça logique. Dépend des teints. Comme vous avez un beau teint noir, très chaud. Merci. Voilà. Donc le noir, ça prend tout. Souvent changer un peu marron, légèrement clair, ça reçoit un peu le teint. Mais trop clair pour un teint noir, c'est pas bon. À moins que on veut choquer, comme on le dit. Choquer, oui, voilà. C'est ça en fait. Ça a un petit côté extravagant. Voilà, c'est tout simplement pour choquer. Choquer un peu. Voilà, sinon. D'accord. Mais vous, en tant que coiffeur, parce que plus on voit les stars venir sur le plateau, plus on réalise qu'il y a tellement de créativité et d'invention pour choquer. Et donc, je suppose qu'on vous sollicite beaucoup pour ça également. C'est le milieu artistique. On reçoit tellement de stars. Donc. D'accord. Le coiffeur extravagant, on est obligé de le faire. C'est un look artistique. En fait, c'est ça, c'est un look artistique. Et c'est beaucoup de recherche ou bien c'est de l'invention? C'est de l'invention en même temps. Quand c'est un don, ça vient tout seul. Ça vient tout on seul. On ne fait pas d'effort pour D'accord. faire la coiffure. Et là, ce que vous êtes en train de faire, vous avez pensé la coiffure ou bien c'est de manière. Là, c'est. J'ai monté sans penser. Sans penser. Ça sort comme ça. Et là, ça sort maintenant. Tout seul. Tout seul. Ah. Parce que d'habitude, les coiffeurs ont un miroir pour voir un peu le reflet. Sans le miroir. Sans le miroir, j'arrive vous arrivez. À coiffer, même dans le noir. Eh ben. Et vous coiffez depuis quand? Ça, c'est compliqué. Depuis très longtemps, en tout cas. Oui, très longtemps. Mais je n'ai pas appris cette coiffure-là. C'est venu tout seul. C'est venu tout seul. D'accord, donc c'est un don. C'est un mec qui m'a poussé à la coiffure. Ça fait partie d'une des mannequins. Ah bon, hein? Ouais. On vous a poussé à la coiffure? Oui. D'accord. Très bien. Donc, on est presque au terme de cette première coiffure? La coupe. D'accord. Et vous lui avez donné un nom à cette coupe? Oui. Coiffure, c'est à cause d'une dame en fait. Bon. C'est une cliente qui n'est pas Abidjan que j'ai nommée Maman Jolie. Elle est tellement jolie, tout ce que je lui fais là lui va. Donc on a essayé ça comme ça, sa tête. Et, vous avez et puis ça a donné. Donc j'ai laissé le nom Maman Jolie. Et c'est cette coupe là. Oui. D'accord. Alors donc, on va devoir y aller un peu plus vite. Oui, vous allez enlever la cape pour que l'on voit à nouveau sa tenue et puis qu'on réalise si effectivement avec. Le bassin, ça va. Donc, on va regarder maintenant le mannequin. On va faire un plan sur le mannequin, puis voir si, effectivement, avec le bassin, si ça va. Effectivement, oui, c'est joli. Ça fait très habillé parce que vous avez mis une parure qui rehausse également la tenue qu'elle a portée. D'accord. Donc, ça, c'est une coupe courte que l'on peut faire lorsque... Peu importe la fête, mais en ce moment, le ramadan qui arrive, sur le boubou, ça va plus donner. Ça va donner, voilà. Effectivement. C'est très joli. D'accord. Alors, moi, j'ai le temps de revenir là-dessus, le temps qu'on change de mannequin. D'accord. Donc, vous allez changer de mannequin. D'accord. Et puis, nous, donc, je vous rappelle que nous avons choisi, dans le cadre de la fête de Tabaski, nous avons choisi de vous proposer plusieurs mannequins, plusieurs modèles, afin que vous ayez le choix entre différentes coiffures. Une coiffure courte, une coiffure longue, et puis également une coiffure surmontée de coiffe. Comme son nom l'indique. Donc vous allez changer de mannequin. Faites venir un autre mannequin. Voilà. Donc vous avez notre mannequin qui arrive. Voilà.
Alors, c'est comme je disais, elles sont toutes belles. Voilà, le deuxième mannequin là. Et là, qu'est-ce que vous allez nous proposer? Donc, c'est une coiffure qui m'a été inspirée d'une chanteuse. Oui. Voilà. Mm-hmm. Donc, j'ai essayé de reproduire un truc rapide. Mm-hmm. Et ça, ça va être une coiffure longue? Non, c'est une coupe. C'est une coupe, d'accord. Cocktail. Une coupe pour les cocktails. Mm-hmm. D'accord. Très bien. Et parce que là, les deux femmes sont claires, vos deux mannequins. Mais on réalise que... Elles sont un peu plus claires. Ah d'accord, non, c'est pour ça que vous avez mis des mèches plus claires. C'est ce que j'ai choisi. D'accord. Ces couleurs-là. Mm-hmm. D'accord. Très bien, mais c'est... Vous avez un de ces doigtés, une de ces dextérités? C'est pas du mm-hmm. D'accord. Et donc, en période de fête comme ça, les clientes vous demandent forcément hein, beaucoup de créativité. Oui, c'est ça. Est-ce que les clientes apprécient d'avoir la même coiffure? Bon, moi, j'ai une clientèle, comment dirais-je, qui ne sont pas très extravagantes. D'accord. Et puis, moi, je n'ai pas de catalogue, je n'ai pas d'album photo. Ah bon? Oui. Donc, on ne peut pas reproduire ce qu'on a vu? Oui. Quand mes clientes viennent, c'est vraiment quelque chose qui est joli. Mm-hmm. Voilà, donc c'est... À la minute que j'improvise. Au feeling, d'accord. J'ai pas de catalogue. Sauf me montre une photo avec un modèle, je ne pourrais pas. D'accord. Ah bon. Mais par c'est exemple, si une dame regarde là et puis veut avoir la même coiffure. Là, au moins, je peux le produire. Là. C'est moi-même qui l'ai fait. D'accord. Je peux le faire pareil. Donc ça, c'est une création, ce n'est pas une copie. Non. Vous créez. C'est la minute, hein, c'est moi qui le fais. Uh-huh. Voilà. D'accord. Mais déjà, le choix des mèches, parce qu'on voit qu'il y a plusieurs genres de mèches. Oui, c'est pour ça que j'appelle la coiffure cocktail. Cocktail. Ah, d'accord, cocktail de mèches. Voilà. Effectivement, oui. Ah, d'accord. Très bien. Et c'est pour les besoins de la télé que vous coupez aussi rapidement, ou bien oui. C'est habituellement comme ça? C'est comme ça que je travaille. C'est comme ça que je travaille. C'est la rapidité. D'accord. On a les clients qui sont tellement pressés par rapport d'accord. au boulot. Très n'ont bien. Pas le temps. Donc, quand tu viens... Être rapide quand tu travailles. C'est en parlant de rapidité, on va y aller vite parce mm-hmm. qu'il nous reste quelques minutes avant de boucler sur la coiffure cocktail. Mm-hmm. Alors, ça y est? Vous allez plaquer sur les côtés. D'accord. Donc celle-là, c'est la coiffure cocktail. Coiffure également. Qui passe. Qui passe. Le basé aussi. C'est très comme pour aller au boulot. D'accord. Donc on lui enlève rapidement la cape, puis on voit le résultat. Voilà. Effectivement, madame. Voilà. Vous allez regarder la caméra de la dame aussi, voilà. Et on apprécie votre coiffure. Effectivement, ça fait cocktail, ça fait pétillant, ça fait énergique et tout. Madame, vous regardez la caméra, voilà, très bien. Vous êtes satisfaite vous-même, hein, on dirait. Vous aimez bien? Oui. D'accord, et ça vous va bien également. En tout cas, merci, merci à vous de vous être prêté au jeu. Alors, très bien. Alors, nous allons sûrement voir notre dernier mannequin. On va y aller au pas de course. Notre dernier mannequin, c'est une proposition donc de M. Serge Haïssi, qui est coiffeur d'âme. Et nous avons choisi de le faire venir sur le plateau afin de vous montrer quelques idées de coiffure pour la Tabaski. Et nous avons cherché à tenir le pari de ne pas porter de coiffe, d'être coiffé. Parce que la coiffe, donc, c'est ce foulard que l'on met, c'est un choix, c'est très joli. Mais pour celles qui ne souhaitent pas, par exemple, comment est-ce que l'on fait? Donc voici notre dernier cas, donc ça va être la coiffure longue. Mmh, qui sera une coiffure de fête. Donc si on a tout compris, c'est votre inspiration pour la coiffure également, comme mannequin. Mmh. D'accord. On met un peu de dame. Oui. Avec sa coiffe, on va lui porter. Oui. On voit que avec son tissage long, d'accord. On a pu coiffer et porter sa coiffe. D'accord, donc on va faire la coiffe, c'est ça? Oui, je vais lui faire un petit sillon d'amour. D'accord. Rapide. Mmh. Ça, c'est une coiffure lisse. Lace, c'est un style hein, que oui. Les femmes connaissent. On ne va pas donner tous nos secrets à l'antenne. Mais les femmes connaissent les laces. Oui. Voilà. Donc, on va faire un signe rapide et puis lui mettre la coiffe. D'accord. Et
ce qui est formidable, c'est que ce sont des coiffures qui sont exécutées en très peu de temps. Oui, rapide. C'est rapide. Bon, il y a quand même le temps de tissage aussi. Hein. Mm-hmm. D'accord. Le tissage, c'est un jour, c'est très rapide. Mm-hmm. On ne prend pas le temps de le monter. D'accord. Donc, il y a également la coiffe. Donc, je rectifie ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a également avec la coiffe. Elle est où la coiffe? On a quelques secondes pour boucler. Hmm? La coiffe est là. Elle est où la coiffe? Mm-hmm. D'accord. Très bien. Donc la coiffe arrive d'un moment à l'autre. D'accord. Voilà. Oui, tu peux. Mm-hmm. Voilà. Voilà, la coiffe est là. Alors, monsieur Serge, on va conclure là-dessus. Allez-y. D'accord, donc pour prédéfinir la coiffe, vous avez vu quelque chose en bas? C'est une petite base pour seulement caler. Pour caler. Que ça tienne, ne pas que ça tombe. D'accord. Voilà. Et puis voilà, d'accord. Donc elle a les cheveux longs à la base, mais on les a rassemblés en chignon, histoire de pouvoir faire tenir la coiffe par-dessus. D'accord. Et puis, par félicitation, parce que c'est moins de 3 minutes pour exécuter. Et donc, elles sont toutes belles. Hein? Toutes ces femmes-là sont belles. En tout cas, je vous remercie. Vous êtes M. Serge Aïzi. Aïzi. Et donc, vous êtes coiffeur d'âme. On vous joint comment? Coiffeur au 06 65 54 68. 06 65 54 68. Merci à vous. Et puis, merci en tout cas d'avoir été là. Donc, Adib est notre transition suivante. Et nous recevons M. Eric Abou Keïta. Avec lui, nous allons essayer de comprendre pourquoi est-ce que les familles recomposées ont souvent beaucoup de problèmes. À tout de suite. Abou Keïta, bonjour. Oui, bonjour. Alors, on va vous appeler. Vous êtes le docteur, vous êtes à l'écoute, au service des couples en souffrance. Oui.
particulièrement en ce moment, ce que nous sommes en train de voir, c'est les familles recomposées. Hein. Mm-hmm. Nous avons parlé de couples recomposés, des familles recomposées. Mm-hmm. Aujourd'hui, nous parlons des difficultés que rencontrent les familles recomposées. Très bien. On vous écoute. Alors, d'abord, il faut revenir sur la conception même de la famille. Il faut redéfinir ce que la famille. Est-ce que on a déjà une claire vision de ce que c'est que la famille? La famille, ce n'est pas un couple. La famille, c'est forcément le couple plus les enfants ou peut-être déjà un seul enfant. Mm-hmm. Quand on sort d'une séparation, d'une vie sentimentale qui a échoué, d'une famille qui a échoué et qu'on mm-hmm. veut revenir former notre famille, il faut faire la part des choses. Est-ce qu'on est prêt à former famille? C'est vrai que vous ressentez quelque chose pour la personne, vous aimeriez vivre avec cette personne, mais est-ce que vous êtes prête? Parce que dans la famille, il y a des obligations, il y a des droits, il y a des devoirs. Donc il faut déjà réaliser tout cela, il faut déjà être prêt. Ce n'est pas parce que du coup on ressent quelque chose l'un pour l'autre que rapidement on va venir s'asseoir pour dire on va créer famille. Non, non, non. Là, il faut être prêt. Mais à la base, on se dit que le plus important, c'est d'aimer l'autre. Et puis le reste, comme on dit, on gère. C'est ce qu'on pense tout de même. Mais justement, c'est cette gestion-là qui crée quelquefois problème. C'est la mauvaise gestion qui a fait qu'aujourd'hui, on s'est séparés. Oui. Et donc aujourd'hui, il faut revoir tout ce qui rentre, tout ce qui fait qu'une famille pourrait subsister et rester vraiment longtemps. Dans un tout premier temps, il faut d'abord se poser la question. Est-ce que d'abord, la personne avec qui je veux vivre, est-ce que d'abord je l'aime? Ça, c'est d'abord un préalable. Aimer, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on ressent de l'amour pour cette personne? Oui, mais est-ce que quand on est... Est-ce que aimer, être amoureux, c'est aimer? C'est encore, j'allais dire, c'est encore plus fort que cela. Hein. C'est ça. Voilà, c'est encore ça. Plus parce fort que cela. Parce qu'à la limite, il faudrait même qu'on définisse la notion d'aimer. D'aimer. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, aimer? Aimer, c'est aller jusqu'où dans le sens du sacrifice? Aller jusqu'où, voilà. C'est ça. C'est pas parce que la personne vous plaît, vous pensez à elle toutes les nuits, vous êtes jaloux, jalouse. Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'amour? Non, 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 non. L'amour est quelquefois est quelque chose d'encore plus grand. Les Ivoiriens ont résumé, ça c'est être fin, c'est ça? Ouais, c'est ça, on dit que tu es fin d'elle. T'es fin, ça c'est... L'Ivoirien a résumé, l'Ivoirien voilà, est génial. Résumé. Mais aimer, voilà. C'est plus profond. Oui, c'est vraiment plus profond. Mm-hmm. Parce que aimer une personne, c'est... Accepter même le bonheur de cette personne au détriment même de vous-même, vos propres intérêts. Hein. Ça, c'est pas évident. Hein. Assumer, c'est pas évident. Voilà, c'est... Donc, ça veut dire que par amour, on peut laisser l'autre partir. Oui, par amour, on peut laisser l'autre partir. Ça, c'est l'amour extrême. Hein. Oui. Mais nous, on ne connaît pas ça. Non, on ne connaît pas tout ça. Nous, dans notre amour, qu'est-ce que nous, on gagne dedans? C'est ça, en fait, c'est ça. Voilà. Vraiment, c'est exactement la caricature. Dans notre amour, qu'est-ce qu'on gagne? Dans notre amour, nous-mêmes, qu'est-ce qu'on gagne dedans? Voilà. C'est ça. Si je ne gagne rien dedans, dans cet amour-là, je ne vis plus avec la personne. Est-ce que vous êtes vraiment amoureuse de cette personne? C'est cela. D'accord. Voilà. Alors, donc, une fois qu'on redéfinit clairement, si on est prêt à former foyer et famille, et que le conjoint est aussi prêt à former famille, il faut être l'un à l'écoute de l'autre. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans sa vie? Quels étaient ses échecs? Tu dois connaître ses échecs. Elle doit connaître aussi tes échecs. Oui. Ah oui. Pour ne plus que ces mêmes choses puissent se répéter. Donc c'est une erreur que de dire, oh, bon, laisse ça, on avance. Bon, on avance. Laisse ça, voilà. Laisse tomber. Il ne faudrait non, pas, il faudrait pas qu'on ait retourner le couteau dans la plaie. C'est ce que les gens pensent. Malheureusement, il faut mettre le couteau dans la plaie. D'accord. Il faut mettre le couteau dans la plaie parce que cette personne-là doit guérir de sa déception. Elle doit guérir de ses chocs émotionnels. Elle doit guérir de ses émotions. Elle a forcément besoin de pouvoir s'ouvrir d'abord à toi puisque vous allez former foyer et vous avez une famille. On ne vient pas pour former famille dans le but de se séparer dans quelques mois. Tout à fait. Donc déjà, il faut déjà entrer dans le passé de l'autre et puis chercher maintenant à mieux connaître. D'accord. Qu'est-ce qui l'a terriblement choqué? Qu'est-ce qui l'a réellement marqué? Est-ce parce qu'elle n'arrivait pas à supporter sa belle famille? Est-ce parce que l'autre avait mauvais caractère? L'autre était violent? Donc vous n'allez pas revenir et venir avoir les mêmes comportements qui ont choqué, qui ont blessé l'autre. Et donc il faut l'aider dans un cheminement. C'est un cheminement mutuel à vraiment sortir de là. D'accord. Voilà. Et c'est vraiment long. Il faut aussi se faire suivre. Hein. Se faire suivre, pas ainsi, se faire suivre aussi, bon, ils peuvent le faire, hein, les guides religieux peuvent le faire, mais ils ne sont pas trop spécialisés. D'accord. Voilà. Je vais vous poser une question. Est-ce que
Le monsieur estime qu'il aime la femme, il a refait sa vie avec elle. Oui. Elle aussi, elle estime qu'elle aime le monsieur, oui, parce qu'elle a souffert. Mais le monsieur ne veut pas accepter l'enfant qu'elle a eu en disant, bon, écoute, le père est là. Il n'y a qu'à s'occuper de son encore, enfant. Là encore, on n'est pas encore prêt à faire famille. Mais on est prêt à être en couple, mais pas à être en famille. On est prêt à être en couple, on n'est pas prêt à faire famille. Mais est-ce qu'on aime la personne quand on fait ça? Non, mais aimer une personne, c'est aimer tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle est. Parce mais que ce n'est pas l'extirper. Ce n'est pas l'extirper des choses et puis elle seule, comme un seul élément dans un. Et puis dire non, 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 c'est pas ça. Mais pourquoi est-ce que quand les artistes chantent, ils disent tu as épousé une femme, tu n'as pas épousé sa famille. Donc ça veut dire qu'on a épousé la famille. Mais c'est clair que quand on parle de famille, il y a aussi la gestion de la belle famille. Mmh. Oui, on a vu. On a déjà vu ça, donc c'est clair. Mmh. Et quand la gestion de la belle famille, quand elle est mal gérée, ça peut créer un problème dans le couple et provoquer une séparation. D'accord. Alors que vous êtes en train de reconstruire quelque chose. Donc ça veut dire qu'épouser quelqu'un, vouloir quelqu'un, c'est absolument tenir compte de tout son environnement. De tout son environnement. On peut pas faire. De son milieu même professionnel. On peut pas faire prendre la personne point. Non. C'est que on est prêt à avoir une vie sentimentale, on n'est pas prêt à former famille. Il y a une différence. D'accord. On est prêt à avoir une vie sentimentale. On n'est pas prêt à avoir une vie sentimentale. On n'est pas prêt à fonder. Parce que c'est même pas évident que certaines personnes reprennent une vie sentimentale à cause de ce qu'elles ont vécu. Donc, elles sont peut-être encore traumatisées, choquées, blessées. Mais quand on est prêt, donc il faut passer de ce choc, de ces blessures, une guérison. Guérison psychique, morale, émotionnelle et tout ça, affectif. Maintenant, réapprendre à avoir une vie sentimentale. Et après avoir vécu, lorsqu'on est prêt à vivre une vie sentimentale, est-ce qu'on est prêt à vivre en couple? De couple, est-ce qu'on est prêt à former famille? D'accord. Donc, les difficultés qu'on rencontre au niveau des familles, c'est parce que simplement, on n'a pas été prêt à former chose, à vivre une vie de famille. D'accord. Dernière question. Comment est-ce que l'on fait quand on est prêt à refaire sa vie sentimentale, mais on n'est pas prêt à fonder une famille? Comment est-ce que l'on fait? Comment ça se gère? Comment on fait pour rester dedans, mais pour sortir de là? Comment on fait pour vivre heureux? En fait, j'allais vous dire, vivre heureux. Parce que beaucoup de personnes nous écoutent et puis se disent, ah, mais donc c'est pour ça que j'ai du mal à accepter sa fille ou j'ai du mal à accepter son fils. Donc, ça veut dire que elle, je suis prête à refaire ma vie avec elle, mais je ne suis pas prête à intégrer, son tout environnement. Son environnement. Donc, à cette personne, qu'est-ce qu'on lui dit? Parce qu'il ne faut pas non plus la brusquer. Oui, à cette personne-là, d'abord, il faut qu'elle apprenne, comme je le disais tantôt, à connaître les échecs de l'autre, à connaître ce qu'il a marqué avec toutes ses douleurs et tout ça. Donc, la faire sortir de là. Donc, c'est vice-versa, puisqu'on a vécu séparément, c'est vrai que dans une famille respective. Maintenant, je reviens pour vivre en famille. Je veux former maintenant une famille. La première des choses, moi d'abord, il faut que j'arrive à pouvoir apprêter moralement mon enfant ou les enfants que j'ai. D'accord. L'autre aussi doit faire pareil. Est-ce que les enfants ou l'enfant est prêt à avoir un nouveau papa? Est-ce que moi aussi je suis prêt? Est-ce que mes enfants sont aussi prêts à avoir une nouvelle maman? Mais il y a trop d'équations à résoudre. Oui, mais bien sûr. Bien sûr, parce qu'il faut chercher à reconstruire. Non, il faut chercher à reconstruire, parce que nous cherchons à reconstruire une nouvelle famille. Donc, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut d'abord vérifier. Il ne faut pas se presser. Mais et si on ne veut pas intégrer, on décide que c'est la femme qui nous intéresse et pas l'enfant. Le père est vivant, que l'enfant aille chez son père, il sera très bien là-bas. Aussi longtemps qu'on n'est pas prêt à former famille, ne prenons pas notre temps, restons en couple. Si on a la possibilité que l'enfant puisse rester. Elle va rester en couple, mais elle va tomber enceinte. Elle va tomber enceinte. À ce moment-là, c'est là où le monsieur va dire. C'est là où le problème va vraiment exister. Parce que la femme ne peut pas demander à la femme d'éviter que son enfant vienne à la maison. Mais attends, c'est couper le bras carrément de la dame. Je peux accepter que mon enfant ne vienne pas, mais dire à la femme. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est vraiment difficile. À la rigueur, les femmes elles-mêmes préfèrent plus garder les enfants. Et puis l'homme dit, pour ne pas que mon enfant puisse perturber ma nouvelle femme, bon, je vais le déposer d'abord quelque part en entendant qu'elle puisse d'abord l'accepter. Parce que le conjoint, il faut aussi le préparer à accepter les enfants qui arrivent. Ah oui, ça, c'est pour ça qu'on va prendre le temps à chaque émission de détailler, de décortiquer. Parce que beaucoup de personnes sont en souffrance. Oui. Et puis des fois, quelques conseils peuvent changer. Et pour un seul enfant d'un conjoint, la rupture peut arriver parce qu'on n'a pas été préparé, ou l'enfant n'a pas été préparé, ou le conjoint n'a pas été préparé.
D'accord. On va devoir mettre un terme pour aujourd'hui. Oui. Alors, la semaine prochaine, on va continuer, bien sûr. Oui, on va continuer. On va continuer parce qu'on a choisi de prendre le temps. Oui, tout à fait. Et puis de vraiment expliquer en long et en large. Il faut prendre le temps de pouvoir vraiment expliquer tout à fait. Comment est-ce que ça fonctionne en réalité. Très bien. On vous joint comment ? 45 45 45 49. Merci à vous. Merci. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci à vous. Alors, nos invités de DCM sont installés, vous le savez, notre jingle rendez-vous pour vous dire que rendez-vous est pris avec nos invités. À tout de suite. Le révérend Yomo est notre premier invité. Bonjour révérend. Bonjour Marianne. Nous parlons depuis plusieurs semaines déjà du tsunami, de l'esprit et de la parole. Bien entendu, c'est pour ce rendez-vous extrêmement important en Abidjan que nous sommes en face de vous, chers téléspectateurs de RTI 1. Shalom à vous, shalom chez vous. Il est question en ce jour de parler avec vous, de prendre langue avec vous en ce qui concerne le rêve. Je pense bien que ce qui fait de vous l'animatrice et mérite que vous êtes, c'est parti d'un rêve. Vous avez rêvé un jour de devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Peut-être qu'au moment où vous le rêviez, beaucoup ne croyaient pas à votre rêve. Mais il est important de savoir que c'était vous qui faisiez ce rêve et c'était à vous d'y croire. Aujourd'hui, vous êtes certainement la manifestation de ce rêve-là. Mmh. Le thème que nous allons aborder ce vendredi, c'est « Un rêve ne meurt jamais ». Beaucoup de personnes croient en quelque chose, beaucoup de personnes ont un idéal de vie, mais il arrive que les circonstances de la vie nous font déchanter parfois par rapport au rêve si important qui est le moteur même de la vie. En sorte que quelqu'un a dit un jour que le futur appartient à ceux qui croient en leur rêve, car le rêve, c'est l'avenir d'une personne. Je voudrais vraiment ce vendredi inviter quelqu'un qui jusque-là ne croit plus en son rêve, qui jusque-là se dit « mon rêve ne peut plus se réaliser ». Moi qui suis en face de toi, il y a à peu près 13 ans en arrière, j'ai rêvé d'être ce que je voulais être aujourd'hui. J'ai rêvé d'être certainement un jeune, mais un jeune qui consacre sa vie à des choses importantes. À Dieu, un jeune qui consacre sa force, sa vigueur à Dieu. Ce n'était pas évident parce que le milieu familial duquel j'étais issu n'était pas vraiment favorable à cela, mais je bénis le nom de Dieu de ce qu'aujourd'hui je suis en face de toi parce que je suis la matérialisation de ce rêve. Et si Dieu l'a fait pour moi, il est capable de le faire pour toi qui penses avoir un enfant dans tes mains et qui, malgré tous les soins, n'arrive pas encore à avoir la grâce de l'enfantement. Peut-être pour toi qui as envie de réaliser le rêve d'une grande entreprise, tu n'as pas encore cette opportunité. Viens ce vendredi, nous parlerons parce que vous savez, tout dépend de ce que tu entends dans la vie. Vous monterez dans un ascenseur, tant que vous ne commandez pas le niveau auquel vous voulez parvenir, vous resterez là où vous êtes. Tout à fait. Tout est question maintenant d'actionner ta vie, d'actionner quelque chose dans ta vie qui te permettra de réaliser le rêve de ta vie. Et donc, je t'invite ce vendredi 11 octobre 2013 à l'hôtel communal de Cocody sur le coup de 20h. Aujourd'hui, nous ne serons pas là à 21h, mais à partir de 20h déjà, nous commencerons dans la présence de Dieu à préparer quelqu'un à entrer dans la manifestation de son rêve. Je voudrais maintenant m'adresser à quelqu'un qui est en train de se connecter à son poste récepteur. Le rêve, ce n'est pas celui que tu fais lorsque tu es endormi, mais le vrai rêve, c'est celui qui t'empêche de dormir. Donc ce vendredi, réveille-toi de chez toi, quitte ton lit et viens à partir de 21h nous rencontrer. Et voilà les contacts qui